inviter des amis, ouais, donc je vais inviter Greg et je vais inviter Lou. Et je prends Piche. Ah oui, alors du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que je passe? Oh, tiens, c'est le crépuscule. Hop, voilà. Je vais juste vérifier que j'ai tout fait correctement par rapport à Twitch, parce que ce serait bizarre quand même si je m'étais planté. Il y a Todd qui va nous dire amusez-vous jusqu'à l'épuisement, c'est horrible. Oui, j'ai vu ça aussi. Bah moi je veux surtout que les gens me disent si le retour son est bon en fait, entre ma voix, le son du jeu que j'ai un peu baissé. Pareil sur la chaîne Blueprint, n'hésitez pas à dire. Et je vais faire ta voix surtout. Petit tweet oui avec le compte qui va bien. Je fais le petit tweet oui aussi. Twitter non tweet deck il me faut tweetdeck.com. Ah ah. Ouais, j'allais dire on dirait Mickey. Ah. En direct tout de suite pour un Super Mario. Bon, je le fais avec le compte de la cartouche hein. De folie avec Yann et Greg. Tac. Wick. C'est parti. Voilà. Bonjour Greg. Tu nous entends? Salut. Enfin. Oui. Ah, t'es en direct. Vous êtes en direct. Bonjour. Jean-Marc Morandini, tout ça. Jean-Marc Morandini, nous sommes en direct. C'est ça. Comment ça va? Écoute, ça va fort bien. As-tu reçu? Oui, tu as reçu mon invitation pour jouer. Oui, elle est. C'est Lou qui a pas encore reçu mon invitation pour jouer. Ah, alors je dois faire comment du coup? Je te l'ai envoyé via le système de la Switch, c'est-à-dire de la Wii. Je t'ai envoyé. Je dois à tout prix passer par ça en fait, c'est ça? Oui, je crois que c'est obligatoire. Je pense malheureusement. Compliqué votre truc. Donc je dois quitter le jeu en fait, c'est ça que t'es en train de me dire? Non. Non, tu dois juste accepter l'invitation qui apparaît en haut à droite sur ton écran. Ah oui, non, c'est vrai que ça quitte pas le jeu forcément. Oh la technique, salut Kimou, n'hésite pas à me dire si le son est bon pour vous, parce que j'ai fait des petits réglages. Je pense que personne ne va être sur le compte de Blueprint, c'est parfait. Et t'inquiète pas, on ne sait jamais. On va avoir du gros de ouf ce soir, 15 000 personnes vont venir s'abonner à la chaîne, je suis ultra chaud. Alors tweet avec Blueprint. Oui, t'inquiète pas. Et on va retweeter avec mon compte personnel. Incroyable. Et donc oui, on attend plus que toi. Est-ce que ça charge ou est-ce que t'as des soucis? Ça charge, connexion au réseau, jeu en ligne. Ah, c'est formidable. Formidable. La technologie. Donc Kimo, n'hésite pas à me dire si ma voix est pas trop forte, si le jeu entend bien, si on entend bien aussi Yann et Greg du coup. Ah. Oh Lou. Alors, bonjour. Du coup, c'est juste des mini-jeux ou c'est aussi c'est non, plateaux, c'est le plateau et tout le tintamarre. Ah bah c'est bien ça. Alors on va jouer avec ce groupe. Et on va choisir nos personnages. Ok, bah je prends Peach. Je vais prendre Luigi parce que je lui ressemble. Ah bon? Ouais. Il te manque juste la petite moustache. La fine mais longue moustache, effectivement. Ah oui, pardon, c'est parti. Ah oui, c'est vraiment Jean-Michel Princesse, effectivement. Ah bah. On peut pas choisir la difficulté des princesses, mais d'accord. Alors, j'ai une... je sais pas si vous voyez moi en train de switcher les écrans, là. Ouais, ok, là, cool. Tol, là, donc l'idée, c'est pas le manoir clinquant de Kamek. On l'a fait avec Benjamin Concombre l'autre fois en privé. C'était chiant comme la mort. Donc, je suis ok pour la Tol. Greg, t'es aussi ok pour la Tol? Sans souci, les opticiens tout, voilà. Ok, cool. Désolé, tu disais. Donc c'est bon, pour moi c'est j'ai bon déjà tout testé. Donc tu as tout suis, essayé. Voilà, l'atoll fruité est très sympathique. Il est joli bien. Surtout. Oui, en plus. Je vous propose qu'on fasse un 10 tours, qu'on en fasse une deuxième avec un autre plateau, et puis qu'ensuite, s'il nous reste un peu de stamina, on fasse du Mario Kart. Et sans détour. C'est parti. C'est littéralement marqué c'est parti sur l'écran, donc c'est vous dire. C'est parti. C'est parti. Et donc, oh, l'atoll. Les princesses sont Waluigi. Les princesses sont Waluigi. Waluigi est une princesse. C'est le spin-off le plus oulala. Est-ce qu'on peut le passer? Oui, on peut le passer. Très bien. Oh. Oui, bon, on va le voir pendant assez longtemps. Hein. Oui, c'est ça. C'est la première fois. Non, non. On non, connaît non, ça va, je pense. Oui, il faut des étoiles. Non.
Attendez, c'est comment le dé? Il faut secouer. Ah bah bien. Ouf. Bah bravo Daisy. C'est ça. Alors je vois des petites drops dues à la connexion. J'espère que ça ne sera pas trop rock'n'roll. J'aime pas Harmony. Tu dois appuyer sur le bouton Harmony. Tu dois appuyer sur le bouton Harmony. Mais c'est pas affiché à l'écran, donc c'est très bizarre. Non, oui, donc du coup j'étais perturbé. Je veux dire bonjour. Je sais pas, ouais, dans le personnage d'Harmony, je sais pas, je le. Je t'entends pas très fort, Greg, t'es un peu pas fort. Ah, je suis pas fort. Je vais booster un petit peu de mon côté. T'es pas fort. Ne pas de récupérer des pièces. Oui, on connaît ce Mario Party, fantastique, merci Toadette, allez, on y va. Hop, voilà. Non mais. Ah, je regardais dans Discord. Eh bien, bien. Bon, n'hésitez pas à me soutenir le chat hein, face à Greg et Yann du coup. Oui, même chose sur le chat de Blueprint que du coup j'instrumentalise aujourd'hui. Soutenez-moi, car je suis le patron. Salut Etils. Alors Etils a une question importante à vous poser, je pense que oui. Vous avez peut-être la réponse. Vas-y. Etils demande, Super Party d'accord, mais quand est-ce qu'il revient? Ah, mais alors ça, il faut savoir qu'il reviendra jamais en fait. Il est parti pour ne jamais revenir. J'ai dû la caser 100 fois dans mes tests. Mon dieu. Ça me rappelle votre première mini marquise abricot du dernier la cartouche. Oh mon dieu, quelle horreur. Par quelque chose. Je l'ai déjà oublié. Par pour les larmes. Ah oui, par pour les larmes. Oh là là, pouf. Ouais, non, il était. Il était pas trop dur. Franchement, je le trouvais pas trop dur. On venait de parler du jeu juste avant en plus. Mais quand même. Bonsoir Kouraï. Ah bah, tu es sur le chat de Blueprint, Kouraï. Tu es venu soutenir la team Waluigi. Fantastique. Allez, on n'avance pas très loin. C'est bien, elle a que le. C'est ça. Et c'est le premier mini-jeu. Oh non, tous contre moi pour le début, super, allez, vas-y. Fléchette ventouse. Oh non, pas les fléchettes ventouse. Ah, putain. Boomington, qu'est-ce que c'est que le Boomington? Je crois que c'est le premier mini-jeu que j'ai fait quand j'ai relancé le jeu. C'est ça avec les grosses raquettes, oui, c'est ça. Ouais. Tu joues à Big Tennis, fantastique. Moi je veux taper vous en fait, pas les trucs. Tiens, tiens toi. Merci. Donc on a un seul bouton, y'a rien de subtil. Hein. Allez, oui, on y va. Oui. Bah, j'espère que le mini-jeu il va être plus fluide que l'entraînement parce que ça me fait un peu peur. Et c'est la même technologie donc je n'y compterai pas. Et je suis en fibre, je suis fibré. Je suis bien connecté aussi. Pas fibré aussi, mais très bien connecté. Bah, ouais. Ouh la vache. Ah oui, j'ai oublié que. Comment t'as deux points? Moi je rattrape celle que. Ok, je fais le haut. Loup en voit. Ah non, ça va pas. Ah oui, on prend cher. Hein. Rien ne va. Je tiens à dire. Rien ne va pas. Quand plus rien ne va. Mais oh là là là. Je oh tiens là à dire que Daisy ne sert absolument à rien. Mais non, elle fait rien. Est-ce qu'elle a un niveau d'ailleurs? J'ai pas pu régler le niveau de Daisy. Ah mince, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ouais, parce ça. Que si elle est en mode. Si elle est en mode facile, là ça va être compliqué. Là. Vous avez voulu m'attaquer dès le début du jeu, c'était une très mauvaise idée. Voulu! C'est le mini-jeu qui nous y force! Le jeu nous a forcé. On t'a pas encore volé d'étoiles pour l'instant. Oui, c'est ça, c'est pour l'instant. N'essayez même pas. Les menaces. Alors, pourquoi j'ai 3 pièces? Parce que tu as gagné le mini-jeu. Attends, j'ai gagné 3 pièces dans ce mini-jeu? Oui. J'en ai l'impression. Bah, comment ça, j'ai gagné 3 pièces? Tu gagnes 10 pièces un mini-jeu, non? Non, parce que. Attends. Non. Pas sûr, hein. Non, pas nécessairement, et je te rappelle que le taux de conversion étoile pièce est beaucoup plus bas dans ce jeu là. Ouais, mais. Comment ça? Loup s'est fait flouer. D'où je suis à 13, c'est bizarre. Je peux pas te dire plus. Promis, nous n'avons rien Nintendo touché. Nintendo a imposé sa taxe, dit Kouraï. Il a pris 30%, c'est ça l'idée, enfin même plus, il a pris 70% là. C'est la commission Apple. Terrible, ouais c'est ça. T'as Apple qui est passé par là, t'as Nintendo qui est passé par là, t'as Epic Games qui a pris 10%. Ah mais attends, c'est pas le bon... Ça c'est le tuyau, elle t'emmène en haut à droite. Ouais je sais, mais est-ce que... Elle est à gauche, purée ouais. L'étoile elle est en haut à gauche, non ouais, bonsoir John Abraham. Ouais,
Alors, je précise si vous nous rejoignez que Lou joue Peach, Greg joue Rosalina. Non, Harmony, pardon. Je l'ai dit en anglais, oh là là. Et je joue Waluigi. Est-ce qu'elle a un autre nom en Suisse? Non, elle a pas d'autre nom en Suisse. Genre c'est son Gertrude nom américain. Ou. Gertrude. Est-ce que tu penses que toutes les femmes s'appellent Gertrude en Suisse? L'allemand est la première langue parlée en Suisse quand même. Oui, mais pas chez moi. Les jeux ils sont localisés en français, Lou. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des prénoms spéciaux suisses romandes d'ailleurs? Non, mais t'as des combinaisons rigolotes, genre parfois des prénoms en anglais. T'as pas mal de John dans le Valais par exemple. Mais regarde, Waluigi est déjà juste devant là. Bah oui, Yann, c'est bien placé. Hein. Oui. Yanuigi. Yanuigi, exactement. Oh, tricycle épique. Je déteste ce mini-jeu. Allez, c'est parti. C'est parti, ça va être. Pivoter la manette. Ne détournez pas cette image, s'il vous plaît. Ouais. Allez, je suis convaincu. Allez, c'est parti. Ça va être une catastrophe. N'en gardez pas sous la pédale. Ah bah c'est, tu devrais gagner à ça, toi qui fais un podcast et qui couvre le monde du cyclisme. Ça. Ah. Oh là 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 là. 7,38, mais quel. J'espère au moins pas me faire battre par vous. Voilà. Ah, je reste étonné, dit Kurai, que Nintendo ait trouvé la technologie pour faire du online. Ouais, alors c'est du online tranquille, hein. Ils ont trouvé la technologie. Ça fait un peu, ouais, ils ont trouvé la technologie. Tiens, il y avait une caisse dans le grenier. Ils se sont demandé à Roger. Roger, tu veux nous faire le online, s'il te plaît? Roger San. Ah, là, j'ai eu plus de thunes, par exemple, j'ai l'impression. T'avais déjà 8 piastres avant. Ah ouais? Sauf que, en fait, dans l'épreuve d'avant, tu avais 8 piastres et nous 5. Ah d'accord, vous avez aussi. Mais pourquoi vous avez gagné de l'argent alors que vous avez perdu comme des pleutres? Bah, on en a gagné moins. Le système est généreux. Voilà. Oui, non, globalement, c'est un des problèmes de ce jeu. Ouais, c'est un peu ça. Ça a changé Super Mario Party. C'est un peu le socialisme. Kimu, il dit que je suis un pro et je pense que je vais gagner tous les mini-jeux et voilà. Tu es un pro, mais tu ne joues même pas avec le contrôleur des pros. Qu'est-ce que tu vas faire? Pardon, excuse-moi. Oui, mais on ne peut pas dans ce jeu, malheureusement. C'est un scandale. Je taperai sur ma table, mais j'ai assez tapé sur ma table dans les podcasts ces derniers temps. Donc. Mais regarde, moi, je suis sur des oranges. T'es sur une pastèque qui est sur une orange, oui, effectivement. C'est un peu le Terry Pastèque, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup le coup patroupa en train de finir à l'infini son château de sable bloops. Oh là 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 là, ça n'avance pas. C'est terrible. Ah oui, non, là, bah, au moins tu collectes des pièces, j'ai envie de te dire. Ah oui, là, je collecte. Quant à moi, est-ce que vous pensez que je vais avoir l'étoile? Abonnez-vous pour le savoir. Je te donne une pièce et tu dis non. En plus, il y a même pas de position sur ce dé qui. Hey, t'aurais pu. C'est le pire rôle possible et malgré tout, la victoire. J'ai une étoile. C'est con que les anciens Mario Party soient pas jouables en ligne, franchement. Ou ils le sont, mais pas légalement. Imagine, non mais ouais, mais imagine, toi, ils te font un Nintendo 64 online et ils te oui, mettent Mario mais Party. Je ne demande, que ça, le mode multi de Lilat Wars, enfin F0X en multi online, ce serait tellement bon. Le feutissime. Exactement. C'est beau l'espoir. Ah vas-y viens. Se regarder jouer vas-y, à Paper Mario. Amène-toi. Je suis toujours dans Paper Mario 2. J'ai enfin réussi à articuler ce que je voulais dire dans le précédent épisode de la cartouche quand je disais que la porte millénaire a l'air pas très bien finie. Il y a plein d'indices qui te sont pas donnés. Enfin, je trouve le jeu assez maladroit dans la façon de te guider d'espace en espace avec ses énigmes, en fait. Ah, je tiens avec la meuf en pyjama. Ah. Mais le pyjama. Délicieux déluge. Je crois que je l'ai pas refait celui-là. Oula, bienvenue dans les Game & Watch. Oula oui, ouf. Mais je suis tellement d'accord, Kurai, le premier Mario Party est tellement chouette. Bon, allez. Bienvenue dans Fruit Ninja. Bon ouais. Greg, t'as bien compris, tu prends pas les pics, hein. Non. Oh, le backseat gaming. Alors, est-ce que, du coup, je fais perdre Lou? Bon, pourquoi Yann? En même temps, Yann tient avec l'ordinateur qui a pas l'air fut-fut, donc. Oui, là, effectivement. Ah, voilà. La preuve. Je me défends encore pas mal, hein.
Je crois que si Daisy elle gagne, il sera par accident en fait. 50 à 34 quoi, merci beaucoup. Ah bah écoute. Ouais mais attends. Je joue contre un pro du Joy-Con, qu'est-ce qui se passe? Ah la voilà ma suite revanche, 105 à 63. Franchement, pour jouer seul contre deux, c'est pas mal d'avoir fait la moitié du score. Je pense qu'elle a pris facilement 3 ou 4 piques vu qu'elle était juste au-dessus de moi. Allez, hurrah. C'est pas un moyen de transport moi, y a pas la carte hurrah quelque part en France? Oui, non, si, c'est Rhône-Alpes, hurrah. Excusez-moi, c'est mes bails de... C'est mes bails de Salève et d'Alpes, vous inquiétez pas. Retrouver Yann sur GeoGuessr demain. Mon dieu, non, je serais horrible. Ah, j'aime bien ce jeu, faudrait en faire un de ces quatre. Pourquoi pas, mais je veux... Catastrophique. Ah, mais moi aussi, mais c'est ça l'intérêt. Où est-ce que c'est? Tegucigalpa? Non, non, moi j'ai mis Vevey. Dans les steppes de Mongolie. Et on salue Ava. De Mongolie, ça reste. Vous avez Ava qui est derrière. Exactement. Alors, il faut que je fasse un petit tour, là. Allez, vas-y, fonce, Alphonse. Ouais, je vais aller loin comme ça. Tu peux pas jouer avec le dé normal également? Si, mais t'as plus de chances du coup d'aller loin avec le dé de pitch. Ouais. Si tu utilises le dé de pitch. Dé d'harmonie. Plus 2, plus 2, 2, 4, 8. Ouais. Non, 2, 3, 4. Ouais. 8. Moi je tente. C'est quoi votre Mario Party préféré dans l'assistance maintenant qu'on joue à un qui n'est pas forcément notre préféré? C'est dur à dire, mais les trois premiers sont quand même. Enfin, les deux premiers, je dirais. Les trois premiers. Moi, c'est une trilogie qui est assez homogène en fait. Le gros souci, c'est que je n'ai joué qu'à celui-ci. Ah, ouais, du coup, c'est dommage. Mais... Et toi, Yann, du coup? Par pure nostalgie, je dirais le premier. Vas-y, va là-dessus, ça a l'air bien. Ouais, la case malchance, ouais. C'est ça. Symbole promotion. Symbole promotion. Non, mais ce qu'il y avait bien dans le deuxième, c'est que t'avais les costumes. Et ça, c'était formidable. T'avais Champi Couleur comme jeu aussi, qui était juste. Génial. Et les jeux étaient très essentiels. Enfin non, qui reprenait quand même pas mal le premier. Enfin le Mario Party 2, c'était vraiment Mario Party 1 plus quoi. Oui, mais t'avais des reprises de mini-jeux, mais t'avais aussi plein de mini-jeux originaux et globalement, enfin t'ajoutais aussi le concept des objets. Et non, il était très bien fait quand même. Oh, j'adore. Mettez bien votre dragon. Il est tellement beau. Ouais, tu parles, ouais. Donc l'idée c'est qu'il faut attendre la petite vibration. Oh pardon, je suis en train de m'éclater moi. Ah non c'est bon, j'ai déjà appuyé en fait. Et faire sauter. Ok, on est prêt? On est prêt. Je fais glisser ma viande. Excusez, il y avait que moi qui n'étais pas prêt. Ok. Ce jeu magnifique, mais je suis d'accord RD Network. Jonah Brand qui dit Mario Party 3, des heures de fun avec mes cousins. On a tous un peu le... Après, honnêtement, j'aimerais réhabiliter Mario Party DS et Mario Party Advance qui sont très bons. Oui. Oh non, j'ai jeté ma viande. Faut pas faire ça. Bah non. Ne jetez pas votre viande les enfants. Non, effectivement. Ah. Punaise. Ah, j'ai pas le coup de main. Eh ben je suis rouillé les amis. Hein. Ah, plus qu'une face. Oh là là. Allez. 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 Mais allez. J'ai la dalle. Vas-y. Ah, c'est pas vrai. Oh, j'ai été mauvais. Donne-moi ce fichu côté. Oui. Allez! Allez, le pavé de bœuf! Bravo le veau! Non, mais merde! Mais. Oh là 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 là! Ce cire du soleil, qu'est-ce qui se passe? Ah, enfin! Quand même! Pauvre DS! Mais là, j'ai la dalle, mais puissance 1000 quoi! Alors, ceci dit, Mario Party DS a un défaut, c'est que l'icône de Luigi, parce qu'en gros, en bas, t'as l'écran de jeu et en haut, t'as la carte. L'icône de Luigi en haut dans la carte dans Mario Party DS, on dirait Borat. Et. C'est bizarre. Voilà. C'est peut-être le défaut de Mario Party DS. Une forme de pièce, ce scandale. Toi Lou, s'il y a une étoile des pièces, t'es bien. C'est vrai que je trouve j'ai pas de chance à ce jeu, honnêtement, j'ai pas de chance. Alors, on verra. Je trouve que ce jeu, il manque en effet un peu de fun au-delà des mini-jeux. Il manque un peu de viande sur l'os. Bah, les plateaux sont pas réussis. Globalement, les plateaux sont quand même pas réussis. Quand tu compares avec les anciens. C'est... Ouais.
C'est des allez, Bichette. Après, l'idée des dés par personnage, ça c'est pas mal. Par c'est une excellente idée. Vraiment... L'idée des personnages qui te rejoignent, d'avoir des petits. Oui, les assistants. Benjamin les appelle les stagiaires. Les stagiaires. Les alliés, non. Je sais pas les assistants, tu vois. Donc les intérimaires. C'est les alliés ou les amis, ouais. Yes. Yes. La meuf, elle est en peignoir, quoi. 3, 2, 1. Ah, agression. Oui, non, mais y a pas de, y a pas de confrontation dans ce jeu-là. Non, non, non. Alors excusez-moi, parce que moi on rigole, hein, mais l'étoile elle est là, d'accord, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si je fais 8, oh, il va me donner un conseil de Toad, incroyable, waouh, waouh, je le savais déjà, merci Toad, c'est pour ça que je t'ai dit que je voulais pas avoir des conseils, bref, des normal 1 à 6, des de Waluigi 1 à 7, d'accord, je l'ai dans l'off, dans l'os, ok, cool, dans l'off, dans l'off ouais. Aussi. Oui. Allez, sors-moi un 7, sors-moi un fais 7, sors-moi un 7, fais le moins. 5, c'est pas mal. Pas mal. Si tu l'as, je te jure que si tu l'as, vas-y. Pars. Événement spécial. Il va te mettre dans la salade de feu et tu pars. C'est cuisiner cool. Luigi. Oula. Ah oui, c'est juste que ça allume. Je pense que le deuxième, il va se passer quelque chose. Faut voir que ça dégage tout le monde du. Mais en fait, c'est ça aussi qui est frustrant, c'est que faut vraiment faire plutôt des plateaux à 20 tours parce que t'as pas le temps de profiter des plateaux sinon en plus. En fait, celui-là. Ce plateau-là me rappelle celui de Wario dans le premier partie 1, exactement. Ouais, mais en beaucoup moins intéressant. Ah oui, choisir et un nuage, on non, il y a un mélange de celui-là et de Lady Yoshi en fait. Ah oui, d'accord, et si on choisit tous les deux le même, on est foutu. C'est ça. Le dilemme du prisonnier, quoi. Sauf que là, c'est à 4. Le quadrilemme du prisonnier. Le quadrilemme du quadriprisonnier. Allez, on est parti. Du quadrisonnier. Du quadrisonnier. Ok, très bien, bonne chance. Bonne chance. Je pense savoir ce qui va se passer, oui, oh, voilà. Non. Je m'y attendais. On s'est tous attendu à que l'autre soit le plus greedy, mais donc. Oui, mais oui, mais incroyable. Oui. Et logiquement, le tour suivant. Ah non, merci beaucoup pour ces pièces. et moi, pour une fois, Daisy ne fait rien, quoi. Oh là là là. Yes. Tout le monde est content. Tout le monde a gagné. Alors des networks dit foncez tous au centre vite. Logiquement. Oh, Daisy a 9 pièces hein. Ah, j'ai peur. Oh yes. Oh, le hold up. Hold up. Oh les amis, c'est incroyable. C'est honteux. Non, c'est mérité. C'est la méritocratie, ça, à la hauteur de mon talent. La Suisse. Évidemment, c'est tellement arbitraire. Oui. Oui. J'ai un ami au Waluigi, il est ailleurs. Voilà. Ça, pensé, j'ai faut aller chercher mon chocolat, c'est du chocolat, c'est Villard, c'est ça la marque de chocolat suisse, enfin oui, avec le logo en tête de vache, oui. Ouais. Celui qui fait celui qui faisait des friandises racistes. Est-ce qu'on a vu la même vidéo de David Castello Lopez, bien sûr, voilà. Suisse point d'interrogation, c'est une excellente vidéo. Et c'est techniquement un collègue puisqu'il travaille aussi pour la RTS. Ah ouais. Bah oui. Ah, c'est marrant. Bah Suisse, c'est, oui, c'est vrai, l'RTS. Bah oui, la Suisse, oui, enfin, c'est Dastiz qui vont à l'RTS. Oh, putain, t'es le collègue de David Castello-Lopez, oh là, mais tu réalises de très loin, hein. On travaille juste dans la même entreprise, ouais, de loin. Laisse-moi rêver quand même. Écoute. Bon, alors là... Tu es plus proche que nous tous de David Castello-Lopez. C'est tout ce qu'on retiendra. C'est 5 degrés de Castello-Lopez. Yes. Depuis quand ça existe, les gens qui fantasment sur le fait d'être mon collègue, pour ça, je me suis rendu dans le Discord de Blueprint. Salut Tom, merci. Et voilà. Oh, les Spike qui chill près de l'eau. Je suis la reine de la pastèque. La question c'est, est-ce que maintenant elle va se téléporter vers Harmony pour que ce soit un peu plus équitable pour tout le monde? Ah oui, alors là par contre j'ai le seum. Hein. Ah. Oui, voilà. Voilà. Attends, faudrait qu'elle aille à l'opposé, donc en bas à gauche, ce serait super bien par exemple. Viens juste vers moi. En bas à droite.
Viens juste vers moi. Non, non, ne va pas là-bas. En bas à droite. Très mauvaise idée. C'est très bien. Oh, c'est parfait. Non. C'est farpé. Ah, je suis loin. Je vais être... Parce que là, je vais me propulser de l'autre côté, du coup. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tu es déjà... Ah oui, 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 en effet. J'avais pas vu que tu étais déjà sur l'événement spécial. J'ai intérêt à faire la même chose, d'ailleurs. Globalement. Alors là, Greg, faut que t'ailles à gauche, du coup. Oui. Très important. C'est beau, quand même, hein, le... Cette solidarité. Mais oui. Je viens de tilter d'ailleurs, donc on a un joueur français, un joueur belge et un joueur suisse, c'est formidable. Ça, c'est ça. C'est la francophonie, européenne, il manque juste un luxembourgeois. C'est le France Europe Express du Mario Party. Bonsoir, je suis Christine O'Krent. Ce soir, est-ce que la valeur de l'étoile rabaissée à 10 pièces fait sens dans l'économie d'aujourd'hui? Pour en débattre, cherche Julie Greg. Oh. Ah, on fait moins les malins, hein. Donc tout le monde a son étoile. J'ai réalisé un documentaire sur ma relation avec François Mitterrand. Non, ça c'est Moati. Ah oui, pardon, tu confonds les Serges français, là. Serge, beaucoup trop de Serge. Serge Moati, c'est l'homme de riposte. Merci d'avoir rejoint ce stream où je fais des références à France 5. Je suis désolé pour vous. Ah là, elle est très bien. Là, elle est très très bien. Je m'achèterais bien un tuyau en or pour te la shipper. Bah, fais ce que tu veux, mais non. Fais ce que tu veux, mais non. C'est le gouvernement après 21h. On a rouvert, oui, mais fais ce que tu veux, mais non. 7. Eh bien, c'était génial. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est ça, j'ai pris 3 pièces. Attention. C'est pas celui qui chantait Je suis malade, non, ça c'est Serge Lama. J'ai pris 3 pièces. Agité du bocal, ça c'est nous. Nous sommes les agités du bocal. C'est ça. Ça fait titre de podcast. Quelle horreur. On n'est pas à mon podcast. Ou une émission. Je me souviens pas du tout de celui-là. Ah oui, où tu dois enlever tous les... Il faut secouer avec tendresse le bocal pour faire tomber les bimbins. Ah, c'est rigolo. Ça me rappelle les saveurs de mon enfance. Ah, les bons becs. C'est quand grand-mère... C'est des Mistral gagnants. Grand-mère me donnait un bocal de bonbons, mais elle le refermait et cette saloperie ne voulait pas s'ouvrir. Allez. Ah, c'est trop bien. Ah non, mais la physique du jeu est... C'est comme les pachinko, mais il y a plein de balles et un seul trou. Et voilà, je vous ai tous eu. Non. Un jeu que tu... Non, Jean Castex. C'est moi qui gagne. Non, c'est pas Jean Castex. J'ai deux boules coincées là. Sors. J'ai deux boules de coincées. Mais vas-y. Ok. Ouf. Et de l'autre côté, t'avais Daisy en mode comment on fait? Il y a le trou en haut. Il y a le trou en haut, un trou en bas. Ça marche pas. Est-ce que c'est en quatrième dimension? Est-ce que c'est un hypercube? John Abraham, j'ai deux boules coincées, emoji qui se tâte la moustache, la barbe. Mais non, mais elles étaient en forme ovoïde un petit peu, elles étaient dures à sortir, tu aurais dit des grains de riz géants et verts. Oui, j'ai fait un rêve comme ça moi aussi. Cette nuit, j'ai rêvé de Chirac. Celui qui n'y a pas pensé mérite sa dose de vaccin, dit Crazy Grand Pride. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je préfère ne pas y penser. Qu'est-ce que... Oh, le téléphone, un ami. Dégueulasse. Pardon pour la grossièreté, mais... Il va appeler Jean-Michel Taude. Bonjour, je suis Jean-Michel Taude. C'est abject. Mais déjà, elle peut pas appeler les Taudes. Les Taudes, c'est moi, déjà. Donc elle, c'est les mascasses, donc qu'elle fasse pas genre. Genre. Parvenu. Appelez le 06-028 genre. Ouh là 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 là. Théodore, non mais, enfin, je te dérange pas. Tu me voles mes idées. Non, dérange pas. Et attention, la température monte. Ouh. Quel scandale. Danse de vandale. Et la deuxième étoile. Et en plus, il va s'en choper une troisième après. C'est alors, bon. Non, mon bocal, tu ne dois pas soutenir Waluigi, parce que Waluigi, ce n'est pas moi. Donc, voilà. Voilà, non, si tu dois soutenir Waluigi, c'est moi, vas-y.
Sinon, si vous aimez Harmony. Mais personne. Désolé, mais personne n'aime Harmony en vrai. Si vous que aimez moi, Luma. Non mais mille fois les Luma par rapport à Harmony. Mm. C'est vrai que, enfin, elle fait un peu. Ok, cette fois-ci, elle a des cheveux gris. Non mais elle est droguée Harmony surtout. Il se passe plein de trucs. Elle est toujours genre en train de planer. T'as l'impression en fait, la meuf. Moi, ce que je préfère, c'est son design où genre elle est 15 fois plus grande que Mario. Je comprends pas. À la fin de Mario Galaxy. Genre dans Mario Kart Wii, elle a un poids. Elle est comme Bowser quoi. Je préfère Pauline à Harmony, dit Jonah Brand. Je crois que Pauline est jouable dans Mario Golf qui sortira en juillet. Ouais. J'ai vu la liste des persos, j'ai trouvé ça assez chouette qu'elle soit dedans. Non bah, quand Pauline dans Smash Bros? Jamais. À quand le chargement de ce défi? Ah oui. Ah non. Eh bah sinon on peut jouer à Mario Kart hein. Ah non mais deg, oh non. Est-ce qu'il a sauvegardé le lobby? Je pense que non. Bah non, à mon avis non hein. Connexion au réseau, on va voir hein. Ah ouf, genre... j'avais peur que ce soit pas un vrai jeu Nintendo d'IRD Network. Alors on va en préciser. Greg a la fibre, c'est bien ça? Ah oui, j'ai la fibre. Lou oui, a la fibre. Et moi j'ai du VDSL 2. Et alors certes c'est du Wi-Fi, mais la Switch est là. Et le point Wi-Fi est là. Donc... Oui, il n'y a pas de... Ça va. Il y a pas de souci. En termes d'interférence, ça va. J'ai fait 3 heures de 3D World il y a 2 mois avec ce setup. Ça passait crème. Genre mais fluide as fuck. Là c'est les serveurs qui chient. Enfin c'est pas les serveurs, c'est le peer-to-peer qui chie quoi. Bah là c'est mort j'imagine. Parce qu'on fait du... la partie, on peut se reconnecter, y'a rien du tout quoi. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on fait du... Enfin moi ça m'a un peu dégoûté. Pour être honnête. Est-ce qu'on retente sur un autre plateau ou est-ce qu'on fait du Mario Kart? Enfin c'est comme vous voulez, moi je suis ok. On peut changer d'autre sinon. On retente sur les tombes, dans la jungle. Terrible jungle. Ouais par exemple. Le tombe est mort ce soir, très bien, bah je crée un groupe, hein. Sans code d'accès, c'est parti. On peut faire du mini-jeu direct sinon, dit Fredling, c'est pas con. Oui, c'est pas mal, mini-jeu direct, ouais. C'est dans le même menu, de toute façon, je vous invite, et puis on va regarder ça. Yes. Bonne idée, Fredling. Je vais inviter Asmar, non, je déconne. Suite, hein. Oui. C'est beau comme menu, hein. Ah, c'est... Ouais... Ah mais du coup faut que je revienne ici parce que je vais recevoir l'invitation. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors je reviens. Alors attends, parce que j'ai reçu une demande d'amis, ça va être Greg j'imagine, non? Ah non, c'est pas non, moi. C'est moi ah qui bon. T'ai envoyé l'invitation. Non, une demande d'amis. Ah non. C'est quelqu'un qui a vu ton code ami, mais j'ai pas montré ton code ami donc c'est pas chez moi. Là, je sais pas qui c'est Clem, mais je vais ajouter Clem. Connexion au réseau. Peut-être que ça va marcher cette fois. C'est vrai que Nintendo c'est terrible à ce niveau-là. C'était avec quoi qu'on avait eu aussi ce souci-là? Ça dépend du peer-to-peer comme ça, hein, qui très casse-gueule. Je me souviens plus. Mario Maker 2, on avait eu ça aussi. Où ça avait merdé pendant... Oui, mais Mario Maker 2 est... comment dire, de renommée mondiale merdique de ce point de vue-là. Je sais pas pourquoi je dis mondial, mais j'avais envie de dire mondial, donc je dis mondial. Universel. Universel. Le netcode est horrible, je suis d'accord avec toi, John Abraham. Hein. Le pire, c'est qu'il demande de l'argent pour ça. Oui, moins que les autres, mais oui. Ça allait bien. Mais encore une fois, ce qui est dingue, c'est que sauf erreur, c'est du peer-to-peer pour ça. Et c'est juste la mise en relation qui est par les serveurs. Quoi. Et bah, c'est de pire en pire. Voilà, j'ai fait une poke face devant la caméra pour réagir. Jouez avec ce groupe. Hein. on va essayer de choisir la difficulté de l'ordi, ce serait bien. Vu qu'apparemment personne n'aime Harmony. Je vais jouer Wario cette fois-ci. Non, joue avec qui tu veux. Prends Harmony, mais bien sûr, prends Harmony. Je vais prendre Didi. Alors, est-ce qu'on peut choisir la difficulté? Non, ok, très bien. Oui. Mode des mini-jeux. Ah voilà. J'ai mis en normal. Oui. Oui. Et c'est moi qui choisis, donc on fait aléatoire. Ou pour aller dans l'ordre, sinon pour essayer de faire deux fois de même. Bah, Tricy de la Pique, on l'a déjà fait. Ouais. Oui. On peut faire au premier plan. J'aime bien. Ah oui. À quand l'emote Pog avec la tête de Yann? Il faudra lancer les abonnements. Non, il faut ça pour mettre des emotes personnalisés, je pense. Parce que malheureusement, oui. Bon, allez, vous connaissez comment ça fonctionne. On se pousse, on y va, c'est qui part. J'adore ce jeu.
Wario, c'est... C'est moi, oui. Waluigi, c'est l'ordi. Ah non 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 non. Joli. Oh, oh, je suis totalement derrière toi. Magnifique. Quel scandale. Oui, c'est moi. C'est moi. Non. 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 Je suis même pas. Les images sont juste énormes. J'adore ça. Non. Oh oui. Ah, j'ai un petit 2 points. Tout va bien. Encore 3 photos. Ah merde, 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 merde. C'est ça. C'est ça. Ah non. Yeah. Là, on a presque l'impression d'être genre défilé de mode, tu sais. Putain. Allez. Allez, tout va se jouer ici. Un point. Incroyable. Stress, stress, stress. Magnifique. Vive Greg, dit Monsieur Pénicilline. Eh bien, vive Greg. Merci. Merci beaucoup. On a tous gagné. Tout le monde a gagné. Sauf Waluigi. Sauf Waluigi, oui. Ouais. Ok. Juste une... Non, c'est moi qui choisis toujours. Ok, très bien. Exasaut, on l'a fait. Plus de popcorn, ça vous dit? Bah, pourquoi pas, on peut les faire dans l'ordre. On va tous les faire, hein. Ok, très bien. Faisons-les tous. Et c'est parti pour 200 mini-jeux. Au moins, on sait quand on a fini, hein. Bah 70 en fait, il y en a 10 qui sont pas dedans. Ah oui, pardon. Tout le monde connaît le truc, sinon c'est pas bien. C'est parti. Oui, non, ça ira vite. 2 heures plus tard. Sauf Waluigi comme dans Smash Bros. Exactement, John Amran, exactement. Oui, wouh. Enfin. Oh. Un peu de tenue, ah, oui, monsieur. Oh, c'est pas un popcorn ça. C'est pas un popcorn ça non plus. Oh là là là. J'attends que... Oh non! Mon seul popcorn! Il a vachement changé de doigt de bille. Oh non! Oula, non! Oh, ah oui! N'importe quoi! Oh là 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 là! Bon ben, adieu! Bah écoutez! Zéro! Zéro plus zéro! Hello Nico Nours! Terrible désillusion du joueur belgo-italien! Oh oui! Oh là là! Allez. Qu'attends. Mais pourquoi il me met à course aux chandelles d'un coup? On peut les faire dans le désordre sinon, y a pas de... course de tonneau. Fouf. Tu l'aimes pas? Fouyaya. Un français, un suisse, un belge, italien. Oui, RD Network, c'est cosmopolite. Il est exigeant. Hein. Ish. Allez. Ah oui, d'accord, oui. Donc si on se. Ok. Alrighty. En inclinant. Je me souvenais plus de la. Il nous manque la fin de la blague et en plus un soir de revision. C'est que la demi-finale. Rendez-vous sur cette chaîne Twitch samedi pour notre commentaire en direct. À 21h, à 20h45. La Belgique est qualifiée donc moi c'est bon. Ah. Mais Bichette, qu'est-ce que tu fous là? Mais il tourne. Mais pourquoi elle avance plus? Grand retard de Bichette. Ah ouais, non, mais la bichette d'un coup elle bougeait plus du tout. Je sais pas pourquoi. Mais avance. Pourquoi elle recule? Comment veux-tu? Non. Que je gagne. J'ai dû trop incliner. Non. Pardon. Oh non. Arrivez-vous. Scandale. Scandale. Arrivez-vous. Je démissionne. La Belgique ils trichent et ils ont envoyé un vrai groupe d'IRD Network. C'est vrai en plus. Non mais tu peux nous en parler du coup. C'est qui, c'est quoi, c'est comment? Alors, c'est le groupe c'est Overphonic, qui est, je pense, a quand même été assez connu en France. Ils avaient une chanson dans les années 90-90. T'as failli dire 90. Ah t'as dit 90. qui avait très très bien fonctionné. C'était ah zut. Et voilà, maintenant j'ai un trou. Mais en gros, c'est vraiment le groupe mythique belge depuis 20 ans. Et en fait, le truc, c'est que tous les 3-4 ans, ils changent de chanteuse principale. Les deux musiciens et compositeurs, ce sont toujours les deux mêmes. Mais à chaque fois, ils changent de chanteuse, non pas que... Mad About You, la chanson d'IRD Network. Oui. Mais je sais, moi, je la mettrais pas comme favorite quand même, cette chanson. Mm. Parce que c'est très pop habituel. Ça a peu de chance de se démarquer en finale. Oh non! Non, non.
fidèle à la réputation de Wario, je ramène l'or. Oh la sale bête. Tel un vil pirate, hein. Écoutez, les affaires se portent pas mal, ma petite entreprise, etc. Les affaires sont les affaires. C'est ça. Jonah Brown qui dit 90, ça a tellement plus de sens qu'à 90. Qu'est-ce que t'en penses, Lou? Ah oui. Non. Ça a plus de sens que l'autre. Ce débat argumentativement riche, hein. Oui, ton. Non, mais c'est une question de base. Les Gaulois étaient en base 20, donc 90. Enfin, non, c'est. Ah, je savais pas que les Gaulois étaient en base 20 plus globalement. Oui, c'est pour ça qu'il y a le 90. Mais du coup, il n'y a pas plus de sens, du coup. C'est un sens différent. Mmh. Ça a plus de sens en base 10, mais. Le train des taudes. Là, vous aidez, hein. Vous aidez dans le chat. Vous poussez. Oui, aidez-moi aussi. Examinez l'intérieur du wagon et comptez tous les toads. Ok. 1, 2, 3, 4. Bon, ça se voit. Ok. C'est 30 maximum. Voilà. Ok, ah, ça, je ne savais pas. Un mot. C'est sans doute mon sang belge qui parle, dit Jonah Brown. Oh là là. C'est foutu. Putain. Je pense être content de mon compte. Mais je pense que c'est bon. Louis s'est fait. Louis s'est dit oui. Oh. Non, ah oui. Je vais mettre 22 pour le coup. Trop tard. J'ai pas eu le temps d'appuyer, ouais. Oh là là, ah oui. Yes, oh, vas-y. Ah bah, 21. Oh là 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 là. Bien joué. Bol. Bien joué à vous. J'en ai totalement manqué. Oh là là là. Ah non, c'est. Il peut être tout à. Si tu perds le fil au début, t'es foutu quoi. Il m'a resté 8 secondes pour tout recalculer. Il faut savoir que le corps de Wario est constitué à 20% de doigts. Il a des énormes doigts. T'allais dire, Greg? Je ne sais plus. Désolé. C'était sur le coup, c'est terrible. Non, c'était au début du train que oui, en effet, je me suis perdu quand ils ont tous couru partout. Ouais, non, mais là, ça m'a perturbé psychologiquement. C'est comment? Ah oui, c'est. Ah non, c'est avec ça. Merde. C'est avec le petit, la petite tranche, le R ou le L. Oula, avec le lag, c'est. C'est une aventure. Mais. Je suis en train de traire une vache, Jonah Brown, je vois pas ce que tu. Et j'ai le coup. C'est tellement retard. Oh mon dieu, c'est pas vrai ce lag. Allez. Et voilà. Et oui, j'ai de l'entraînement. Alors, il faut rester appuyé ou pas du coup? J'ai pas compris. Non, l'idée c'est que tu. C'est comme quand tu traînes une vache dans One to Switch. Ah ouais, c'est ça que. J'ai jamais trait de vache. Ça ressemble moins à ça quand je joue Jonah Brown. Ok, mais très bien. Il faut rester appuyé ou pas du coup? Il faut rester appuyé. Moi j'appuie sur la descente, je relâche, je remonte le bras, j'appuie sur la descente, je relâche, je remonte le bras. Oh là, ouais. Ouais, je sais pas, j'ai galéré. C'est bizarre parce que j'avais bien réussi quand j'avais fait ce jeu. Puis là, je sais pas, j'ai pas. Premier servi. Oh non, pas de la boue, non. Oh, j'ai faim. Ouais. Oh là là. Ouais. Des pancakes. Je pense qu'un bon quart de mini-jeu dans ce jeu-là, c'est vole des trucs avant que tes amis les volent. Comme dans la vraie vie. Ok. Non. Ah non, c'est pas ce que je voulais. C'est moi. Bon, allez. Allez. Moi j'y crois. Ah non, c'est le vrai jeu. Je veux des pancakes. On joue au pancake avec un macaque. C'est drôle. Parce que Diddy Kong. Ah purée. Mais arrêtez de vous battre. Mais pourquoi pas? Oh merci non beaucoup. Mais Wario. Non. Mais quel morphal lui. Oh, Wario. Bisous. Ah, l'homme. Il y a que des jeux de bouffe du coup. Non, il y a pas que ça. Il y a aussi le mât de cocagne. Bref. Ah là 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 là. C'est incroyable. Allez, les matrioshkas, les taux de gigogne.
qui tire son nom des poupées gigognes. Ça t'alors. Ah, il faut prendre celle qui en contient le plus. Ouais. Et ça bouge. Cool. Ouais. Allez. Ok. C'est donc celle du milieu. Concentration intense. Alors que le lag en plus, merci. C'est ça quoi. Mais non, tu peux pas en prendre d'autres. Faut que tu prennes qui est pas. Mais j'étais lent. Oh non. Ah oh, mais les yeux de la Suisse quoi. On dirait le nom d'un film. Les yeux de la Suisse. Ah mais t'es après, t'es on fire là. Après les Panama Papers, les yeux de la Suisse. Après les pieds de la France. Et les épaules de l'Allemagne, la voici. Les yeux de la Suisse, prochainement, le 12. Les Suisses ont-ils une vision d'elfe? Ben, regarde-moi, il me manque plus que les oreilles en pointe, merde. À Et les elfes ont-ils une vision suisse? Non, ils sont pas aussi neutres que ça. Aïe. Pomper de l'eau, ah oui, alors celui-là aussi j'en ai l'air mal. Pompe, pompe, pompe. Ok, très bien. J'aime beaucoup être un Shadok. N'oubliez pas de faire comme l'empereur. Ah oui, pomper. Ouais. Haute vie, hein. Les travaux manuels. Oh non, la Didi. Ah purée. Oh la vache, vous êtes fort, hein, celui-là. J'ai mal au bras. Oui, non, c'est à peu près un quart de Bring Pit Adventure. Hein. Mmh. Ouais, mais c'est un singe, c'est de la triche. Ah, c'est vrai. Un avantage. Mais les croisés, bon, celui-là, oula. Celui-là, j'aime beaucoup. C'est un peu le destination finale de Mario Party. Oui. Non, pas par là. Boum. Et ça fait bim bam boum. On manque plus que toi, voilà. C'est moi, désolé. je m'amusais sur le terrain de jeu. Cet énorme charging choc. Ouais. Allez. Oula. Oulala. Oulala. Là encore une fois, c'en est un qui demande pas mal de concentration, assez vite. C'est ça, c'est... Non, adieu. Non. Ah. Oh non, mais sérieux. Oh. Oula, oula. Oh. À slalomer celui-là, c'était pas évident. Oh non. Et je ouais. suis décédé. Bravo. Moi, je n'ai pas peur des rugbyman. Écoute. Les chocs du stade. Ah, ce sont les bulldozers en français. Ah, les bulldozers, c'est vrai. Bulldozers. Allons chez les fuzzy maintenant. Peach, une petite hitbox, ça triche. Alors ça, je me demande c'est si c'est pas un facteur. C'est faux, et on a tous la même hitbox, c'est faux. D'accord. Ah, les mensonges ici. Ok. Je citais John Abraham. Ah, John Abraham, vous me dégoûtez. Hérésie, mensonge. Bilvesé. Hérésie, mensonge. Plongez au cœur des mensonges de John Abraham. Non mais enquête exclusive. Oh là. Oh, ah ouais. On m'a poussé. Non, déjà mort. Oh oui, non, c'est douloureux ça. Il n'est pas vivant, c'est qu'il est mort. Ok, ça va se jouer sur ce fusil géant. Oh là là là, merci. Là là là. Terrible. Je veux mon interview par Elise Lucet, dit Jonah Brown. Ça viendra. Par Zurbrise. Ah, le fusil m'a fusillé. Oui. À la flotte, bah oui. Allons-y à la flotte.
c'est déjà? Faut boire, c'est ça? Non, non. Oui, oui. Quand il faut quoi s'arroser. Attendez, j'ai pas compris. C'est un deathmatch. C'est Overwatch. C'est Overwatch. Et recharger son pistolet, faut, ah oui, faut secouer. Oui, okay, d'accord. Très bien. Oh là 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 là. Et faut se faire dégager, enfin faut dégager les autres, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce qu'il y a une Elise Lucet suisse? Pas vraiment, John Abraham. Est-ce qu'Elise Lucet est jouable dans ma partie? Est-ce qu'on peut jouer l'Emmy? Je crois, hein. Je sais plus. Vite. Là, je suis déjà... Non, je suis là. Mais Didi, qu'est-ce que tu faisais? T'étais dans le... Oui, j'étais déjà... Ah! Mais arrêtez! Je vous demande de vous arrêter. Oula. Oula. Ah oui, adieu. Venge-moi, Greg. Oh non. Oh là 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 là. Ah mais on a tous les deux gagné, du coup. Tout ça en ratant les trois premières secondes. C'est honteux. J'aime beaucoup le mode rafting aussi, d'ailleurs, dans ce jeu. Et je trouve que ça cool d'avoir des jeux collaboratifs. Et pas uniquement... Il n'est pas jouable en ligne. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il faut regarder le cœur. Regardons le cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand? Le monopole du cœur, oui, bravo. Le monopole du cœur. Bien, il est pas jouable en ligne, du coup le rafting, ah je suis trop dégoûté. Eh non. C'est parti. C'est pour ça qu'il y a des mini-jeux qui sont interdits en fait. Je veux jouer aux mini-jeux interdits. C'est ça. Merde. Aïe 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 aïe. C'est un test de vision ça en fait. Non, mais pourquoi? C'est pas grave. Non, ah non. Oh là 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 là, c'est terrible. Ah oh. Wow. Bah pour en avoir raté quelques-unes, je suis content du résultat bien final. Bien joué. C'était pas évident. C'est un jeu Kawashima, ça, dit Jonabran. C'est pas loin. Hein. J'avoue. C'est pas loin, le côté bleu, rouge, jaune, et tu dois dire le mot, mais il est coloré différemment. Bravo, ton cerveau a maintenant 17 ans. Allez, on va continuer d'être maudit, cette fois-ci par... C'est drôle de monstres, les boxeurs. Non. Pfiou. Je vis vite et je traîne, car le chemin est long. C'est toujours à toi de valider, Greg. Et oui, je suis désolé, mais je me prends au jeu à chaque fois. C'est terrible. Mes excuses. C'est parti. C'est parti. Maintenant. Ah, Waluigi avait pas envie de partir, visiblement. Non. D'ailleurs, je vais lui offrir des raisons de rester un peu en arrière. Et voilà. Oh là là, oh là là. C'est terrible. Allez, bon courage hein. Easy. Ah. Allez, bon courage Greg. Easy. Regardez. Ah oui non. Ah. Pas ah. Top, pas top. Pousse. Je tente des choses. Là aussi la pression est intense. J'adore la musique. Est-ce qu'on va pas finir par survivre au bout du truc? Je pense c'est non, infini. La mort ou... est ton cadeau. Ah, cool. J'appuie sur droite, est-ce que je joue au jeu correctement? Wow. D'où je suis troisième avec ce qui s'est passé. Je demande un recomptage. Ralenti. J'avoue que là, le ralenti aurait été bien parce que... Waouh. Il s'est passé des choses. C'est dommage qu'il compte pas le score en général là, de ce qu'on est en train de faire. Ouais, c'est vrai, il devrait y avoir un mode. Il devrait y avoir un mode. Bah, comme le Marioton d'ailleurs. Comme le Mario. Pff, putain, le Marioton. Quel exemple! Bon, c'est sympa le Marioton. C'est pas très. Enfin, c'était pas très stable sur le online, c'est juste ça en fait. Ah! Alors salut Jamiroquai! Mais... Le vrai Jamiroquai, bien évidemment. Oui, hein, en direct avec nous aujourd'hui. Comment va ton chapeau? Jamiroquai? Ah oui, c'est vrai. Ah, il a un chapeau toujours. On est sur le stream le plus chill de France, je pense. Hein. Chanteur des années 90. De France, de Belgique et de Suisse. Et de Suisse. Et de Navarre. C'est ça. Venez chiller et relaxer avec des bons jeux avec nous.
et de Navarro. Qu'est-ce que je fais ? Navarro est également diffusé sur Télé Suisse. Didi, c'est ton terrain. Ouais, oh là là, quel enfer. C'est banana. Quitas, les bananas. Ah, mais je crois qu'il est vraiment anglais, Jamiroquai, du coup. Ah non, maman, tu réponds en anglais pour le fun. Ah non, mais si t'es anglais, je suis con, t'aurais pas compris ce que j'ai dit. Bah, on sait jamais. C'est vrai. It's true. Oh non, non, je voulais pas faire ça. Aïe, le coup dur. Est-ce qu'on peut dire non? Non, on peut pas dire non. Très bien, bah vous. C'est imposé, figure imposée. Ah, j'arrive pas à passer entre deux bananes. Ah non. Mon Dieu. Ah, vas-y, sérieusement, mais sois sérieux un peu plus. Allez. Bravo, bravo. Et ben voilà, je suis troisième, c'est encore pire. Il y en a qu'un qui change pas, il est constant, c'est Waluigi. Heureux d'être constant. C'est ça. Attention. Voilà. Attention, c'est très technique. Hein. C'est le deuxième mini-jeu. On a été où on était là, donc on va jouer à mise au point. Qui est le nom d'une émission de la RTS. Qui est le nom d'une chanson de... Mise au point. Sur les plus belles images de ma vie. Jackie voulait plus voulu love story. Tu es ta dame d'une femme fantasme. Ok, allons-y. Mario. Greg, il a le moment de sa vie avec la loupe. Oui. Ouh. Je veux voir un Toad de près. Oh. Oula. On a affaire à un sérieux. Joli. Allez. Tout juste. Et ben voilà, c'est le myope qui a perdu. Yeah. Bon, on est tous myopes ici. Moi je suis méga myope. Math. Bah j'ai plus 10 à chaque œil. Bah c'est bien plus 10 du coup. Moins 10, enfin je sais plus. Moi je suis à moins 11 et moins 12. Ah bah bravo. Aïe, ah oui quand même. Enfin je sais pas, je vais bientôt refaire un test de la vie, je vais bientôt changer mes lunettes parce que celles-ci sont hyper rayées. T'as la double. Ah oui, avec astigmatie, ouais. Bon. Quelle horreur, mon pauvre. Je vais me prendre un Kinder après parce que, à force de voir de la bouffe, moi ça me donne faim. qu'est-ce que c'est ça? Faut trouver l'un de ceux. Ah truc. Ok, oui. Mais quel est absent? Le respect! L'union de la gauche! Plein de choses sont absentes. Allez, c'est parti. C'est parti. Qui manque-t-il? Alors ça va se jouer à la photo finish entre lui et moi, parce qu'on a pressé au même moment. Ouais. Hein. Ouais. Je pense que c'est... Je sais pas, en fait. Scandale. 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 Et en plus, je suis censé avoir un avantage parce que c'est moi qui héberge. Ah bah oui, là, non. Pitch, pour Pitch, pourquoi tu hésites? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du verre nulle part. Bah non, mais j'ai pas regardé en bas, en fait, ce qu'il y avait comme proposition, en fait. J'étais dans la lune. Non, mais je pensais vraiment à mes Kinder, là, en fait. Kinder. Mes Kinder. Oh, soudainement, Homer Simpson. Oui, ok, c'est non, mais quel con. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, ah, on est tous tombés dedans. Incroyable. Ah, incroyable. Ouais, ouais. Incroyable. Oh là là. Bravo. Eh ben, bravo, Yann. Attendez, j'arrive. Ah, c'est l'heure du Kinder. Pourquoi je dis ça comme ça? J'ai l'impression de faire la pub pour eux, quelle horreur! Oui, c'est ce que j'allais dire! Ce stream n'est pas sponsorisé. Ah, bon. Oh mon Dieu! Bonprix n'a pas reçu d'argent de Ferrero. Je m'autorise à en manger un à chaque fois que je gagne un mini-jeu comme ça. Allo Ferrero! Ah non, mais là, il y avait les pancakes, les ceci, les cela, c'est terrible quoi. Moi, je tiens pas quoi. Ceci dit, au rythme auquel on va, faire tous les mini-jeux c'est peut-être un peu ambitieux. Hein. Oui! Donc on peut peut-être essayer d'aller genre tout. Jusqu'à la fin de la ligne? De cette ligne là? On fait juste cette ligne là? Ouais, ok. Comme la prochaine fois on saura ce qu'il nous faut. Doudou. Oui, hashtag ad, John Abraham, effectivement. Caresser Wriggler, Wiggler, sans le réveiller.
Il lui dit Kalino. Et chaque Kalino vaut un point. Mais s'il est vénère, tu perds tous tes points. Et le jeu s'arrête. Wario, avec ses mains énormes, il va lui donner les meilleures caresses du monde, tu vas voir. Wario, il prend une canette de coca, c'est genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, très très conservateur. Ah oui, là on est... Oula. Bah, excusez-moi. Oh, l'homme. Ah, on y va, là. Oh là 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 là. Ah, Waluigi, Waluigi, ok. Moi, j'ai failli faire avec les chenilles. Hein. Moi. Ok. Ouh. Ah. Tu as du retard à rattraper. Complexe, hein. J'aime beaucoup la musique qui s'arrête quand il ouvre un œil. Ouais. Ouh, stratégiquement, c'est chaud. Hein. Moi, Luigi, il a pas envie. Ah. Ah bah bravo. Génial. Zut. Génial, génial, génial. Bravo à vous. Je vous épate cet écran de fin. Wario et Peach sont très heureux sur leur terre glaise pendant que Waluigi et Diddy Kong se font poursuivre par un Wiggler bien vénère. Se faire défoncer. Mais enfin. Je dois vous l'avouer, ce que je préfère c'est celui-ci. Mais pour l'instant on va faire celui-là. En plein dans le chip. Ah oui non, il est horrible celui-là. Oui, le motion control sur celui-là est assez complexe. C'est horrible. En appuyant sur L ou R, fais un grand mouvement pour lancer en haut et un petit pour lancer en bas. Grand mouvement, petit mouvement. Grand mouvement, petit mouvement. Grand mouvement, petit mouvement. Voilà. J'avais fait une blague politique, mais honnêtement, je vais pas oser. Quel est le petit et le grand mouvement? Non, Yann. Voilà, exactement, non. J'y réfléchis et je me suis dit non, il n'y a pas de bonne option. Ce sera dans le prochain épisode de Carrément Méchant. Mon Dieu. Belle tentative de ressusciter quelque chose, mais non. Je suis au regret de te dire non. Ah non, mais... Allez. Oh la 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 la. Oh tiens, Waluigi, 9. C'est triste. À un moment donné que t'ajoutes de la bouffe tout de suite, ça devient sérieux. Ah oui, c'est un facteur motivant. Mais c'est le chocolat, oh, hein, ça. La victoire, c'est sympa, mais la nourriture, c'est meilleur. Allez, les parcelles personnelles. Mon mini-jeu préféré. Qu'est-ce que c'est que celui-là encore? Il faut s'emparer de la plus grande zone. Ah oui! Oh oui, j'ai fait n'importe quoi pour voir, mais... Don't get into my zone. Tu vois. Okay, okay, là aussi, il faut avoir l'œil de lynx. Quel œil? Peach, c'est à toi de valider. Pardon. Je me souviens pas de ce jeu-là, donc je vais le tester. Princesse! On a un petit calibre, un petit cahier d'école assorti à la couleur. Bonjour, Toadette. Alors... Oh là yes. Là, mais t'as l'œil, c'est fou! Oh, il est fort, hein! J'ai un bon feeling en tout cas pour les premières manches. Non! Non, c'est mauvais. C'est très mauvais. Yes, 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 yes! Oh, il est fort! La vache! Ouais. Bravo! Ok. Allez, allez, allez. Ce qui bien, c'est que tu vas super vite en plus. Oh non! Oh. Je sais pas si tu l'as eu pour le coup, Greg. Non, c'est non, bon. Non, c'est voulais, bon. Je voulais celui à côté. Je voulais le Waluigi. Oh là 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 là. Et en plus, moi, je suis très bon pour trouver le deuxième, c'est marrant. Non, tu l'as eu? Là, tu l'as eu, Greg? Non, 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 c'est Waluigi. Mais c'est Waluigi, hein? Non, je l'ai pas. C'était Waluigi encore. Je l'ai pas, mais je suis pas loin. Ouais.
Ouais, Luigi encore. Ah, tu l'as eu? Non, non, j'étais loin. Mais ça m'a suffi. Bon, ah ouais, très bien. Très fort. Très très oh. fort. Il est pas mal comme jeu. Oui, monsieur. Ah, il est sympa. Allez, un autre. Next. More games. Un autre. T'as pas le choix. Dragon à l'hameçon. Qu'est-ce que c'est celui-là? Vous n'avez qu'une seule chose en. Ouh là là. Ouh, évaluer la taille, d'accord, ok, très bien. Ah, j'aime bien ça. Eh ben, j'ai un dragon. Ah, oui, ok. Mais il y a que des dragons, mais c'est savoir qui a le plus long. Qui a le plus long. Voilà. Stop. Je. Aussi bien dans la conversation Discord que sur le chat, stop. Je sais. Non. Dans les commentaires YouTube, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez même porter les hypothèses. D'accord, très bien. Cosinus, hypoténuse, etc. Tout le... on fera une tier list. Tout l'arsenal mathématique, on fera une tier list. Ah, on a qu'un en fait. Ah ouais. Oui, il y en a qu'un. Hein. Ah, merde. Ah, il est oui. Bon, le mien. Il y en a qu'un, c'est le 1. Ça va, Waluigi, tu veux pêcher un dragon ou tu fais grève? Ah, j'ai pensé qu'on pouvait en prendre plusieurs, hein. Je me suis fait... Ah, il a bu. Oh là, il est tout petit, là, celui de Waluigi. Non, là, celui, il est nul. Il est nul. Il est tout maigre. Ah bah. Et bah voilà. C'est quand même toi. Écoutez. Bien joué. De peu, mais ça compte. Ce freeze frame taille, incroyable. La taille, ça compte, Yann. Ça... Oui, bien sûr, bah pour gagner le mini-jeu, en tout cas, hein. Évidemment. Question de vibration. Oh non. Ah si. Une c'est dur quand ça vibre. De vibration. Écoute. Va dire ça à Rez. Attendez, que quoi? C'est quoi encore? Donc tu dois deviner quel est le profil de vibration qui correspond. Attends, tu vois, il te montre trois vibrations différentes. Ok. Et ensuite il va t'en jouer, hein, et tu vas devoir deviner quel des trois c'est. Je comprends. J'ai compris. Wrong Castex. Bref. Ouais, mission télé, j'adore. Wrong Castex. C'est ça. C'est parti. Mon dieu, cette voix. Ok, bah c'est ceux qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est pas très original. Ah, elle a fait deux fois là. Elle fait à chaque fois deux fois là. Ah, je croyais que c'était qu'un. L'autruche. Ça alors, qu'est-ce que ça peut bien être? On entend le bruit en même temps, c'est débile. Hein. Ça alors, je suis surpris. Oui, bravo. Bravo. Comment ça en deuxième et comment ça? Mais comment ça? Mais voilà. Comme ça. Vous m'avez trahi. 3 charging chucks. 1 moche. Oui, je sais pas trop ce que. 1 vriglé. Ça, c'est déjà un peu plus complexe. Hein. Ouais. Entre le 1 et le 3, c'est pas facile. Hein. Ah, j'hésite en fait. Bon, tant pis. Trop tard. Yes! Ah oui. Ah, très mauvais dans les sensations de doigts. Merci Waluigi des RD Network. RD Network, c'est RD Network. Waluigi s'est planté. Yep. Ok. 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 Ouais. Oh. Il y a un peu des différences. Non. Eh bien, nous verrons. C'est un Waluigi qui est vraiment ouf. Ah, bravo. De toute façon, j'étais déjà loin avec ma deuxième mauvaise réponse. Eh bien, voilà. Tu es premier, Lou, bravo. Eh bien, merci. Eh bien, voilà, je dédie cette victoire Gilux, vous donne votre prix. Jonah Bran qui veut un best-of des meilleurs moments propres sous-entendus. Non. Alors ouais, déjà, ils sont impropres, ils sont pleins de sous-entendus, et puis ensuite... Non. Chercheur d'or, ouais. La moto est une vibration ici, là. Hein? Ah oui. Oui, c'est vrai que c'est vibration. Vibrato. Aïe. Ah,
Attention. Qui va déterrer le plus d'or? Découvrez-le maintenant. MSS Spelunky 2 ou quoi? C'est ça. Ah oui, une pièce, oui, j'aime beaucoup. Oh. Ah oui. Ah mais la bourgeoisie, Didi, là, ça va ou comment ça se passe? Écoutez... Mais dites donc. Je suis un self-made. Mais heureusement, Diddy Kong est généreux quand il voit une charité Diddy Bourdon. Là, je l'ai pas. Il bourre les dons, Diddy Bourdon. Il bourre les dons. Oh là là là. Oh, Waluigi, une pièce. Bravo, Waluigi. Et il est content quand même. Écoute. Ah oui, bah en fait, oui, comme c'est un truc, à mon avis, de... Chacun de remporte pièce dans, folie, dans le... Ouais, exactement. Pièce en folie. Ouh. Le parcours trébuchant. AKA, un niveau de plateforme. Mais tu ne sautes pas. Aïe. Parcours trébuchant, sérieusement. Allez, let's go. Quel adverbe? On dirait un titre de niveau Fall Guys nul. Mmh, c'est un adjectif. Un adjectif, pardon. Oui, oh, tu sais, moi, la grammaire. Tiens, Yann, d'ailleurs. J'ai très peur, oui. Non, 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 non. Est-ce que tu as testé les niveaux de la saison 4,5? Non, pas encore. J'ai fait une partie, mais je n'ai pas... Oh non, dis donc. Je sais à quoi ça ressemblait. Ah bah écoute. Mais enfin. Ils sont bien. C'est du harcèlement. C'est assez sympathique. Il y a, deux, trois... Il y a deux, trois améliorations dans certains niveaux qui valent vraiment la peine. Notamment le roulé-boulet et... D'accord. Et la sorte de plateforme qui glisse avec des obstacles à parcourir. Ah ouais, elle avance, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Qui fait très Mario Party, du coup, ouais. C'est assez sympa. Et il y a un nouveau niveau où c'est un peu une sorte de montée gélatineuse. Mais dans l'univers de la saison 4. Oh, c'est cool ça. Et c'est hyper compliqué, je l'ai jamais réussi à la terminer. Ça me plaît, j'ai envie de m'y frotter du coup. La fameuse montée gélatineuse. Oui. Ah, si t'as joué à Fall Guys, oui honnêtement. Mais t'as joué à Fall Guys en plus. Ah bah oui, mais j'ai pas fait la montée gélatineuse. Oh, c'était pourtant la première saison, mais je pense que t'auras l'occasion d'y rejouer quand ça sortira sur Switch. Ah, peut-être que j'ai peut-être oublié du coup. Ah, c'est pas quand c'est le niveau, il faut monter, t'as la gélatine, une espèce de base oui, de. Exactement. De lave qui monte, j'ai jamais réussi à le finir. J'ai même pas réussi à faire un dixième du niveau. Oh là, je suis dernier. Oh. C'est allé vite. Oula, battu par Waluigi, c'est. Oh non, c'est dur. Excusez-moi, excusez-moi. Aïe. C'est la faute à la manette. Je peux me rattraper, c'est la faute à la manette. Allez. Je vais vite. Oula. Oula. Aïe, erreur du joueur suisse, oui, écoute. Bah alors là, pas dis donc, pas sur ce coup-ci, mais. Ah là, c'est pas le joueur suisse. Hey. Le joueur suisse, c'est pas mal. Fidèle à ma réputation. De parfois bien gagner des mini-jeux. Parfois. et d'être à la fois mauvais gagnant et mauvais perdant, toujours. Oh oui, j'ai honte. Ah oui, non, il est chouette celui-là. Le dernier. Salut Ledna. Ça va être le dernier, ouais. Et après, on ira tous se coucher. Allez, bonne nuit. Dur. Ah oui. Okay. Il est horrible. Il est horrible. Le délire. Vous perdez je crois la moitié de vos pièces et vous tombez sur la bombe. Tout. 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 Ok. C'est tombé le foutu. Pas du tout. Ah zut, oui, effectivement, j'ai perdu mes 10 pièces. J'ai perdu mes 0 pièces. Non. Voilà, à 2 secondes, se prendre une bombe. Incroyable. Incroyable. La victoire à 3 pièces, quoi. C'est merveilleux. C'est émouvant. J'adore Wario qui est content avec sa pièce. C'est ma pièce. C'est ma pièce. Note qu'une pièce d'or, si elle est vraiment en or comme ça... Ah bah, et puis elle fait cette taille-là, surtout. Ouais. J'ai surtout vu Wario, le jeu sur Game Boy, je peux comprendre qu'il soit content avec une pièce. Hein. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'on ferait pas un mini-jeu chacun et chacun décide d'un mini-jeu qu'il aime beaucoup dans ceux qu'on n'a pas encore fait? Ça fait 3 mini-jeux, puis ensuite on arrête. Très bien. Ça nous emmène probablement vers genre 21h50, et ce sera déjà bien. Bah good. Ça aura déjà fait une bonne soirée-jeu. Avec vous.
Soirée jeu. Donc qu'est-ce qui vous tente dans ce qu'on voit là? Est-ce qu'il y en a un qui attire votre fancy loup par exemple? Alors attends. Je vais te les montrer un petit peu. Hein. Je regarde un peu ce qu'il y a. Ah oui, c'est son équipe après d'ailleurs. C'est des deux joueurs d'ailleurs, ceux-là, c'est d'après. Oui. Attends, bah. Ah, mais ouais, c'est des deux joueurs, du coup, c'est plus compliqué. Après, c'est un contre 3, après, c'est ceux qui sont interdits. Attends, pourquoi ça tombe sur moi? Bon, Greg, tu peux déjà choisir. Moi, je peux déjà en choisir un que j'aime bien, hein, sinon. Moi, j'allais dire l'assemblage spatial, j'aime bien, même si je suis nul. Il est où? Il est à tout à droite. Ah, il est pas mal, ouais. Juste en tout, voilà, okay. Assemblage spécial. J'ai pas choisi les équipes, j'ai juste fait. Oui, c'est pas possible. Oui, mais je tiens quoi, Luigi, ça va être facile, ça, tiens. Oups. Honnêtement, t'as été tellement bon jusque-là que c'est tu c'est vois mon handicap. Voilà. Exactement. C'est parti. Pourquoi il y a des jeux interdits? C'est des 1 contre 3, mais je sais plus pourquoi ils sont interdits, effectivement. Est-ce que tu sais, Lou? C'est moi qui pose problème. Oui, parce que le. Parce que je crois qu'il nécessite une trop grande. Trop de réflexes. Je me suis coupé de bouton. J'arrive pas à voir. Ah là, comme ça. Ah merde! Ah, dommage. Oh. Bah, bravo, Lou. Ah, honte pour vous, quoi. Vraiment. Bah non, on a ramé sur le dernier. Je pense qu'ils sont pas. Ils sont pas possibles juste parce que le. Bah, en ligne c'est trop compliqué, je crois, au niveau du. Je me demande bien pourquoi, mais attends, je vais juste voir d'ailleurs ce que c'est comme mini-jeu. Quel genre de jeu serait trop difficile? C'est ça? Brochette de fruits. Okay. Ah, mais c'est tous les rythmiques. Ah, bah oui, les rythmiques, forcément, oui. Oui. Parce qu'il... Et avec le lag, oui. Et, enfin... Ils sont censés s'enchaîner en plus. Mais du coup, t'es sûr que le rafting est pas dispo parce qu'il y a tous les jeux du rafting en fait là? Oui, mais moi, je crois pas qu'il y a le rafting, mais on peut faire un jeu du rafting. Quel jeu du rafting tu veux? Ouais, le jeu des chip. Ah, ben je l'aime aussi, donc je suis content. C'est bien, parce que du coup, je sais quel autre je vais pouvoir choisir dans mon mini-jeu à jouer. Il faut tous qu'on lève le filet en même temps. Ce qui va être un gros problème vu Waluigi. Non, l'ordi, il le fait automatiquement. Ah, d'accord, ok. Il faut vraiment qu'on se coordonne entre nous. Mais okay. Là, pour l'instant, le seul qui lève pas, c'est Didier. Hein. Bah si. Ah non. On le voit, on le voit au visage que tu lèves pas. Ok. on est entraîné, c'est bon. Ouais. Oui, c'est bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un top. Qui est-ce qui décide des tops? Bah toi, tu es loot. Oula, ok, très bien. Bah je sais pas. Surtout faut se concentrer sur les dorés de toute façon. Ouais, de toute façon. Oui, c'est... Allez. Champion des dorés. Nice. Maintenant. Waluigi, t'es en mode je veux des poissons. On a la note à gauche en plus qui évolue en fonction du. Allez, comme ça. Non. Ah, bravo. Bravo. Oh merde! Oh, on l'a raté juste au... de justesse! 84 déjà! Ah, oh, c'est bien! Ah, j'ai envie de me baigner dans cette piscine! Remplie de chip-chip! Ah bah oui, grave, j'en ai trop doux! Alors? Loup dans une piscine de chip-chip! De chip-chip! Chip-chip! Tant qu'on y est, et pour ma part, je vais vous proposer le nettoyage par le vide. Alors, est-ce qu'on change un petit peu la team? Moi, ça me va avec Waluigi. Qui veut être avec Waluigi? Ok. Moi, ça me dérange pas. D'accord. C'est beau, c'est beau comme tu acceptes. Lou qui va faire un stream dans une piscine, dit Jonabran. J'ai gagné avec juste avant. Donc, c'est vrai. Jonabran dit Lou va faire un stream dans une piscine. Avec Chip Chip. Hot tub. Hot tub Lou. C'est ça. Oh, c'est terrible. C'est horrible. C'est terrible. Coucou Lucille. Hello Lucille. Salut Lucille. Bonjour Lucille. Hola Lucille. Greg, non? Tu dis pas bonjour à Lucille? Vas-y, j'ai dit. Non. On l'a tous dit deux fois maintenant. Justesse.
Terrible. Deuxième manche. Donc toi, tu es condamné à regarder la partie se jouer, donc... Oula. Bah non, je fais quoi, Luigi. Oui, non, oui, mais t'es pitch, tu me comprends. Bah jusque-là, tous nos assistants, nos stagiaires s'en sortent bien. Oui, non, elle est horrible, le dernier. Yes. Ouf. C'est allez, du... c'est bon, on a gagné. Deux tiers, un tiers, scandale. Ça va, le online, demande Lucille, pas trop de freeze ou d'input lag, y'a pas pu tester encore de mon côté, dit-elle. Non. On est plus nombreux. Ah oui, d'accord. Alors, oui, pour répondre à ta question... L'équipe. Oui, oui, pardon, pardon. On a eu un... On a eu un gros drame. Un gros drame, mais voilà, on est en train de jouer sur un plateau, on était genre à la moitié de la partie, et ça a freezé. Et ça a bloqué, donc on est reparti en mode mini-jeu, là, depuis une petite heure, maintenant. Probablement. Et ben voilà. Et eh ben c'était cool. Oui, je pense que ça fait déjà un bon premier petit stream de la cartouche comme ça pour le fun, pour jouer un peu à des jeux. Pour le fun. On jouera à d'autres choses à l'avenir ici avec Lou et avec des amis comme Greg. Oui. En attendant, on vous donne rendez-vous le 3 juin, c'est ça, pour le prochain épisode de la cartouche. Oui. Où on parlera notamment de Resident Evil 8 Village. Oui. Je suis Limousin, n'oubliez pas. Et 8. Et c'est ça. C'est la chose que seulement les kids de Limousin connaissent. Et on parlera également des licences Xbox exclusives dans la liste. Donc c'est un peu le programme pour le prochain épisode de la cartouche. On n'a pas encore invité les gens, mais ça viendra. Et puis voilà, ce sera chouette. Moi, je ferai la démo de RE Village. Lou, tu l'as fait. Oui, j'ai fini le jeu et voilà. Nos invités l'ont probablement fait aussi. Du coup, donc voilà. Ce sera un chouette épisode. Et puis ce sera un bon moyen de reparler de ce jeu-là dans la série et de le prendre avec un petit peu plus de recul. Donc et puis de faire un épisode un peu moins long que la dernière fois, peut-être autour des 2 heures hein, cette fois-ci. Plutôt qu'on fera pas de rétro déjà du coup. Plutôt qu'autour des 3 heures et ce sera bien chouette. En tout cas, merci de nous avoir suivis pendant ce stream. Lou, tu continues à streamer sur ta chaîne, comment ça se passe? Oui, mais je continue à streamer sur ma chaîne, je sais pas encore à quoi. Et ben je vais raider la chaîne de Lou avec la chaîne de Blueprint. Donc merci encore de nous avoir suivis ici sur la chaîne Blueprint. Raid Alex le serveur. Je vous souhaite, et Greg aussi vous souhaite, hein, qu'est-ce que tu souhaites aux gens qui nous regardent? Joie et prospérité. D'accord. Pardon? Désolé. Mais qu'est-ce que, non, on va dire au revoir aux gens sur la chaîne Blueprint, et mais Lou oui, va continuer sur la scène. Moi j'allais simplement dire au revoir, oui. De mon côté, écoute, il y aura la tête dans le guidon bientôt, simplement dire au revoir, le nouvel album de Greg Yenko. Très EMI. Sympathique. Non, effectivement, la tête dans le guidon, précision, c'est ton podcast mensuel où tu interviews des gens du monde du cyclisme. Oui, voilà, une fois par mois, et normalement, là, il y a déjà 5 épisodes qui sont sortis, il y en aura un qui continuera encore chaque mois, même durant l'été, parce qu'il y a le Tour de France, etc., durant l'été, donc il faut parler vélo. Exactement. Et, voilà. et donc, la tête dans le guidon dans toutes les bonnes applications de podcast, et également sur www.blueprint.pm. Oui, c'est bien cela. C'est bien sur cyclisme.be aussi, on réalise ce podcast. Exactement. La cartouche, le podcast jeux vidéo que Lou et moi faisons une fois par mois. Vous retrouvez notre prochain épisode, donc je l'ai dit, le 3 juin, avec de l'actu, un dossier, une liste où on compare avec nos invités nos top 3 de différentes choses. Tech2, le podcast tech de Blueprint également. Le prochain épisode sera consacré à la Google I/O et ce sera... Pas lundi prochain, mais lundi d'après, vu que le précédent épisode est sorti ce lundi. Et puis, je crois que j'ai fait le tour de l'essentiel. Le Jaxis Podcast reviendra en juin. Ouais, oui. En juin. On vous parlera de la technique du podcast, c'est cool. Et puis, on a fait le tour. Donc, moi, j'ai juste envie de vous dire merci, à bientôt. Et puis, go regarder la chaîne de Lou. Allez!